proposed delighted with Monkey today. He's a horse I've had since a four-year-old, so it's very exciting to have them all the way through up to five-star level. He was quite excited in the arena, held his breath a little bit when he first went in and then took a breath, and I was very pleased with everything he did. He made one expensive mistake, but he was beautiful and stayed with me all the time. His name, Monkeying Around, is because of his character. He is very jolly and has an opinion on most things, but we're very good friends most of the time, and enjoy each other's company. And when he's happy, he's beautiful. So that's the main thing with him. I think the cross country course tomorrow, it's a true five star, it's typical of Poe. There's many places where you can have a very small error and have a 20, just a silly glance off. I imagine the time will be tight enough. It's very twisty at the beginning, and again at the end, as ever at Poe, there's a lot of questions all the way, so both the horses and the riders have to be sharp the whole time. But yeah, it'll be a proper test, especially with the heat that's definitely different for us. We're not used to it at this time of year. Bon, donc, elle nous dit que Monkeying Around, donc je vais commencer par son nom parce que je lui ai demandé, ça veut dire faire le singe. Donc, elle dit oui, c'est dû à son tempérament parce que c'est un gars qui est assez joyeux. Il a été assez joyeux dans son caractère. Et puis, il a une opinion sur tout. Alors, bon, généralement, ils sont à peu près bons copains. Et puis, ça se passe plutôt bien. Et lui, bon, ben, donc, aujourd'hui, la sensation d'aujourd'hui, c'est qu'il est rentré. Un petit peu tendu, mais il a respiré. Et puis après, ça s'est bien passé. Il y a juste une petite erreur qui lui coûte un petit peu, mais il est vraiment ravi de tout ce qu'il a fait aujourd'hui. C'était un très bon test. Et puis, bon, bah, pour le cross, c'est un vrai 5 étoiles. C'est un vrai 5 étoiles palois, avec des endroits un petit peu qui tournent côte au début, ça tourne un petit peu à la fin également. Donc, comme à l'habitude ici, en Béarn. Et puis, donc, il y a des tests un petit peu partout, il y a des questions pour les cavaliers et les chevaux un petit peu partout, avec bien des endroits où on peut prendre un petit 20 points. Voilà, donc un vrai test pour le cavalier et pour les chevaux qui vont devoir être sur leur garde tout autour de leur parcours. Voilà, donc maintenant je vais vous passer la main. Lancer la balle. À vous. Et to the floor, you have any questions? Madame, il y avait très peu de maxi pendant longtemps, ça s'est pas mal développé ces dernières années. Et comment elle explique qu'il y ait plus de maxi sur le cross ces deux ou trois dernières années? Et combien elle estime que cette année il y aura de maxi, et si le temps est possible? Okay, so the question is that in previous years we've had the time has definitely been an issue, but in the past two or three years we've had a lot more inside the time. So the question is, how do you explain that, and do you think that tomorrow will be one of those years with few riders inside the time or not so much? Do you think the time will be really influential? I think often it depends on the calibre of horse and rider you have here. Both of my horses are first time 5-star horses, so they're inexperienced. Some years, COVID years, you've had more experienced horses, so the time has been more achievable. They were more experienced. For me, the course is a very similar way of going through here. Yes, when we're out on the race course, it's much more galloping. We can hopefully make up time, but equally there's plenty of questions that we have to be very careful and very precise so that we clear the jumps and don't make the time instead. Tomorrow, I do think the time will be influential. I think we've got quite an inexperienced field. Yes, Felix has won a 5-star and Molly has won a 5-star. And then there's a lot of first-time 5-star horses or very inexperienced 5-star combinations. So I think the time will be influential tomorrow. Alors, la réponse est qu'il y a eu beaucoup de... Dans le passé, il y a eu... Ça tout dépend de ce qu'on a comme plateau. Cette année, il y a quand même pas mal de chevaux qui sont moins expérimentés. Il y a beaucoup de chevaux et cavaliers qui font leur premier 5 étoiles. Donc pour les Sierres, notamment, c'est deux chevaux qui font leur premier 5 étoiles. Il n'y a que Molly, Summerland et Félix qui ont déjà
fait et remporté 5 étoiles. Donc il y en a d'autres qui ont fait des 5 étoiles, mais donc le temps, elle pense qu'il y aura quand même une grosse influence sur le résultat de demain soir. Thank you.